Charlotte. Président. Tu diras à ton mari, merci pour son invitation pour nous. D'accord, hein? Ok. Mais tu lui diras qu'on va encore réfléchir, voilà. Mais réfléchir encore comment, président? Moi, je lui avais déjà envoyé la réponse, hein. Je lui ai dit que vous étiez d'accord. Pourquoi? Tu lui as envoyé la réponse? Mais... Nous, on t'a dit qu'on va aller là-bas. Tu es comme moi-même. Mais vous avez accepté l'invitation, non? On a accepté, mais on n'a pas confirmé. Mais vous étiez d'accord. Vous avez donné votre accord. Oui, mais c'est un accord de principe. Ce n'est pas un accord définitif. Moi, je ne comprends même pas pourquoi vous vous rétractez. Le monsieur met tout le dispositif sécuritaire à votre disposition pour que rien ne vous arrive là-bas. Je ne comprends pas. Vous Charlotte, avez peur de quoi? Charlotte, on ne sait pas. On va te parler comment. Oui. Il n'a qu'à mettre ce qu'il veut à notre disposition. J'ai dit, on ne va pas là-bas. Point. Regarde-moi ça. Tu crois que nous, on ne sait pas ce qui se passe au front là-bas? Oui. Chaque Gondouanais a une télé au moins. On regarde la télé. On regarde, les informations. Oui. On sait ce qui se passe. On voit les vidéos sur les réseaux sociaux. Président. Oui. L'hélico que le général veut nous faire venir là. Je parie que c'est l'hélico qui ramène toutes les semaines les cadavres que les rebelles tuent là-bas. Là. C'est ça. C'est ça. Tu crois que nous, on est bêtes? Tu crois qu'on est bêtes? C'est sûr que c'est ça. C'est ça. C'est, ils veulent nous tuer. Donc, Charlotte. Tu crois que nous, on est bêtes? Nous, on n'a qu'à monter dans l'hélicoptère. Là. Oui. On va aller. Et puis, au retour, on ne saura pas où est le cadavre de qui. Oui. Moi, on s'en va assis et puis on revient coucher. Oui, je ne sais pas. C'est-à-dire, on s'en va, OK, et on revient KO. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi vous voyez les choses de cette façon-là. Franchement, hein, imaginez un peu le coût médiatique que cela peut avoir dans le pays. Hein? Un groupe de parlementaires qui s'en va au front encourager les soldats. On va les encourager pourquoi? Est-ce que c'est nous qui les avons envoyés là-bas? Non. Nous, on les a envoyés là-bas. Donc, ils ont choisi. Oui, mais ils se battent là-bas pour qui? Pour toute la patrie? Pour nous? Pour la nation? Donc, patrie, là, c'est nous quatre. Mais... Non, attends, nous, on ne se bat pas ici. Hein, toutes les lois difficiles, on passe du temps souvent même pour sortir une loi. Il y a des lois qui sont compliquées, on passe une semaine. Oui. Nous, on ne se bat pas ici. Attends, est-ce qu'ils sont venus ici pour nous donner du courage? Jamais. Toutes les lois dangereuses qu'on vote ici. Non, mais président, imagine... Ces images-là peuvent toucher la sensibilité de président fondateur, on ne sait jamais. Ah, mais ça tombe bien. Oui. Pourquoi président fondateur ne va pas là-bas? Ah, oui, il n'a qu'à aller. Question. Il n'a qu'à aller. Ou bien lui, il n'a pas sa taille d'un gilet pare-balles. C'est ça. Dis-moi, c'est toi qui dis ça? C'est moi qui dis ça. Oui, oui, oui. Nous tous, on dit ça. Là où tu veux me tuer, là, c'est moi qui dis ça. C'est ça qui va nous tuer tous. Nous tous, on dit ça. En tout cas, moi, je vous le dis, vous auriez tout à y gagner. Tout. Non, mais attends un peu, Charlotte. Tout. Depuis que tu parles de l'invitation, là, tu es là, vous. Ça veut dire, toi, tu ne vois pas quoi? Mais c'est pas moi, c'est vous qui l'invite, il ne m'invite pas. C'est vous trois qui l'invite, non? Ah bon, hein? Bah oui. Ah, Charlotte. D'accord. Quand on partage l'argent ici, tu dis toujours nous. Oui, c'est vrai. Quand on partage les projets, les marchés, tu dis toujours nous. Oui. Et maintenant, quand il y a un hélicoptère dans lequel on transporte des cadavres, c'est là que tu l'as dit, vous. Président, ce sont les hommes qui vont au front, pas les femmes. Ah bon, hein? Ça veut dire quoi? Ce sont les hommes. On va tous devenir femmes ici. Oui. Non, si je comprends bien, ça dit les balles latrées, quoi. J'imagine une balle qu'on a tirée. Ça fait fiou, ça vient vers toi et puis ça regarde. Ah non, c'est une femme. Où sont les hommes? Ils sont là, les hommes. Puis, ils sont là, je suis là. Oui. C'est on ça. Est bête. C'est ça. Tu penses que nous, on est bêtes? Charlotte, dis à ton mari que s'il veut qu'on vienne, on va venir. Ah, c'est mais bien. Mais tu viens avec nous. Voilà. Hé, hey, président, il ne peut même pas accepter ça, hein? Ah bon, ton mari ne peut pas accepter ça. Ben non. Mais c'est nos femmes qui vont accepter que nous, on parte. Hey. Ah. En fait... On t'écoute. En fait, il faut parler. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que... Parle, on t'écoute. Le week-end qui arrive, là, je
j'avais quelque chose de prévu déjà. Mmh. Et enfin, j'ai un petit voyage aux États-Unis, donc c'est pour ça que je ne peux pas venir avec là vous. Où, c'est pour ça que... Là où nous, ça va avec les voilà, Nicolas. C'est ça. Ah. Moi, j'avais déjà tout prévu. Le jet privé est prêt. Donc, c'est ça, tu ne peux pas venir. Je ne peux pas annuler comme ça. Non. Et vous là, je viens de me souvenir que c'est ce soir que je dois partir à Londres. Oui, je ne peux pas venir avec vous. Ah non, tu ne peux pas venir. Mais... Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis bête. Qu'est-ce qu'il y a, Gourou? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on dirait que j'ai Alzheimer. Hein? J'oublie vite. Qu'est-ce que tu as oublié, Gourou? C'est quoi? Je dois aller au village demain. Demain à 6 h du matin? Oui, pour 2 semaines. Donc tu ne peux pas venir? Je ne peux pas. Mais pourquoi vous faites ça? C'était déjà prévu. Mais Digbe n'a qu'à aller alors. Digbe, Digbe, il faut nous représenter. Il y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, honorable. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Il y a aller. Tu sors. Tu sors l'honneur. Ça me fait plaisir. Oui. Mais donnez-moi le temps. Il y a la veille d'un ami le samedi. Il est mort. Et donc, je vais aller lui dire que je vais au front. Attends, lui qui est mort là, toi, le lui dis. Voilà. Maintenant, si j'arrive là-bas, que je lui dis, je vais au front. S'il dit, va. Pourquoi vous faites ça? Mais donc, on ne peut pas aller, quoi. Donc, on ne peut pas aller. Non, Charlotte. Laissez-moi, je n'ai pas réfugié. Non, Charlotte. Pourquoi vous faites ça? On est désolé. C'est mon ami, on a grandi ensemble. S'il me dit, va, oui. Je vais. Digbe, oui. Ton ami qui est mort là, oui. Envoie-moi son numéro, je vais lui faire mes condoléances. Je vais t'envoyer ça. Ça va lui faire plaisir. Ah, oui, vraiment. Digbe, oui. Ton ami qui est mort là, oui. Il faut lui demander pourquoi si tôt. Oui, pourquoi si tôt. Il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, il faut lui dire, c'est moi qui ai dit ça. Donc, Charlotte, tu peux dire merci à ton mari, mais on ne peut pas. Non, il n'y a pas de problème. L'hélico, c'est à quelle heure? Peut-être lui, mais il va vouloir partir, moi.